Vous appelez Hallyday. Johnny Hallyday. Le roi triste, je me sens seul, terriblement seul. Je crois qu'un homme qui ne pleure pas, c'est un homme qui n'a pas de cœur. Je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. J'ai cru au diable pendant longtemps, pendant des années, mais j'y crois plus du tout. Doucement, Johnny. J'aime bien, en général, je me fous de la merde. C'est vrai que j'aime bien foutre la merde. C'est un papa merveilleux. Il est entré dans notre vie et notre mythologie. Son histoire est la nôtre et pourtant on connaît peu la sienne, qu'il a si souvent cadenassé dans le secret. Mais il n'y aurait pas de chanteur abandonné s'il n'y avait pas eu un jour un bébé abandonné. Je suis né, pas dans la rue, je suis né en 1943, à Paris, d'un père belge, Léon Smet, et d'une mère parisienne, française, Huguette Claire. Et j'ai été abandonné par mon père à l'âge de 7-8 mois, qui est parti un jour, qui a vendu... Pendant que ma mère travaillait, ma mère était mannequin vedette chez Lanvin, à l'époque. Et c'est elle qui faisait vivre donc la famille, puisque mon père ne travaillait pas. Et un jour, il a vendu mon lit, tout ça de bébé, etc., pour partir. Il m'a laissé sur une couverture par terre et paraît-il qu'il est parti avec la crémière de la rue Lamarck. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est vrai que les autres mômes des quartiers me disaient « Ouais, mais ta mère, elle t'a fait avec un boche, t'es un bâtard. » Et c'est vrai que ça m'a énormément fait souffrir. Donc, un soldat allemand, dans la tête des gens, c'était tout de suite la Gestapo, quoi. C'était tout de suite la croix gammée, quoi. Johnny, est-ce qu'on peut dire que l'infinie solitude est née ce jour-là? Que d'un seul coup, ce gamin, qui a dû inventer des papas, parce qu'il n'y avait pas de père, qui a dû se débrouiller tout seul, a eu cette fameuse blessure de l'enfance qui, après, d'ailleurs, a décidé de sa carrière? C'est vrai que ça m'a beaucoup manqué. Je ne savais pas ce que c'était d'avoir un foyer. Vous avez été un petit garçon qui ne disait jamais papa ni maman? Non. Vous êtes très jeune, je crois. Oui, j'ai 18 ans. Oui. Vous avez 18 ans. Vous appelez Hallyday, c'est votre nom? Hallyday, c'est mon vrai nom, oui. C'est votre nom. Vous êtes français? Mon père est américain et ma mère est française. Et c'est pas un pseudonyme, Hallyday? Hallyday, c'est pas un pseudonyme. Parce que de vacances Hallyday à Hallyday, ça me paraissait être un nom choisi. Oui, il y a une lettre quand même. Oui, ah ben, on n'est pas passé loin tout de même. En tout cas, vous aviez besoin d'inventer un autre père. Et pour inventer... J'avais besoin de croire à quelque chose aussi. Et pour inventer un père, eh bien, c'était la meilleure solution. J'ai réussi à inventer un père américain, voilà. Un jour, vous êtes à l'armée, vous êtes en caserne, et on vous annonce que votre père est là. Oui. Vous ne voulez pas le croire? Non, parce que mon père, je ne l'avais jamais vu, et je me disais qu'est-ce que mon père viendrait faire à Offenbourg, en Allemagne, à l'entrée de la caserne où j'étais en base. Je ne voulais pas y aller, puis on m'a ordonné d'y aller, donc j'y ai été, et puis j'ai vu un monsieur avec un long manteau. Se précipiter sur moi. Alors ça m'a fait un drôle d'épée parce qu'il m'a parlé avec l'accent belge. Et en me disant, je suis ton père. Et ça m'a fait un choc déjà. Et puis il a sorti un ours en peluche de son manteau. Et là, j'ai vu des paparazzi sortir un petit peu de partout, faire la photo. Et là, par la suite, j'ai appris qu'il avait touché de l'argent pour venir faire cette fameuse photo à la sortie de la caserne où j'étais basé. Ce qui m'a fait le plus de mal, c'était... Au début, j'ai dit, tiens, mon père veut me voir, et il s'intéresse à moi. Et puis j'ai été... Le monde s'est un peu écroulé, j'ai été très déçu quand j'ai appris que c'était pour le pognon, finalement, qu'il avait fait ça. Quand mon père est décédé, j'ai été à Bruxelles pour son enterrement. Et je crois que là, la chose la plus triste du monde que j'ai vue, c'était un cercueil que j'ai suivi pour le mettre en terre. Il n'y avait personne. J'étais tout seul. J'étais tout seul à suivre ce carrosse. Il n'y avait pas un ami, pas une amie, il n'y avait personne. Et je crois que c'est mourir dans une telle solitude, c'est horrible. Est-ce que vous êtes d'accord avec Brel lorsqu'il dit finalement que les blessures de l'enfance, quand elles sont là, elles ne se referment jamais et qu'en gros, oui, tout est décidé? Je suis d'accord avec ça.
Oui. Ça m'a poursuivi toute ma vie, c'est vrai. Je crois qu'un homme qui ne pleure pas, c'est un homme qui n'a pas de cœur. C'était mon grand ami, Jacques. Oui. Un insomniaque, oui. Comme vous ? Comme moi, oui. Ça parlait la nuit entière, ça se quittait, je crois. Et il venait me chercher avec son... Il avait un petit avion. Il venait me chercher en tournée. Puis alors moi, évidemment, je me couchais à 5h du matin. Et puis il venait me chercher à 8h du matin en me disant « Bon, assez dormi, maintenant je t'emmène déjeuner dans un restaurant. » Alors je montais avec lui dans son petit avion. On allait à 300 km de là avec son avion. On déjeunait et puis il me ramenait au spectacle le soir. Et puis après je dînais avec lui et on allait dans le hall de l'hôtel parce que tout était fermé et on faisait le monde et on discutait jusqu'à 5 heures du matin. Mais à 8 heures du matin, il était debout, lui. Parce qu'il ne dormait pas. Il dormait très peu, oui. Ouais. Je crois qu'un jour, vous avez dit « j'aurais aimé être Brel ». Ça voulait dire quoi, ça? Ben parce que j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme. C'était un homme... J'aurais bien voulu l'avoir comme père. De ce manque va naître une icône en noir et blanc. Jeune roi fou et désespéré qui donne en offrande son visage, ses muscles et sa sueur. Je me sens si seul. Le public reçoit sa plainte comme une quête d'amour, une idole est née. Oh oui, d'une fille à aimer. D'une fille à aimer. Je veux dire que vous faites l'amour avec la salle. Quelle énergie. Vous l'aimez, ce Johnny-là? Alors, ça me fait drôle de me revoir comme ça. Il est magnifique, non? C'est facile quand on est beau comme un dieu de crier à des filles « je cherche une fille à aimer ». Quand je vois la façon que les gens me regardent, je sais que je suis aimé. Je pense que je leur rends bien ça. Et qu'est-ce qui reste de ces stades entiers remplis, de ces silhouettes lointaines, de ces applaudissements, de ces briquets allumés? Ce sont des centaines de petites étoiles qui brillent, comme dans le ciel, dans ma tête. Et c'est formidable. Vous êtes tous vraiment courageux d'être là ce soir. Et de rester là ce soir. Et rien que pour ça, rien que pour vous. Et pour tout ça, je suis fier de faire ce métier par rapport à vous. Merci. On n'imagine jamais ce que c'est qu'un chanteur comme vous lorsqu'il sort de scène. Et c'est quand même très impressionnant. On se dit qu'on reçoit beaucoup, mais que l'autre en face est épuisé. On a tout donné. Et puis, il y a une telle décompression, une telle solitude. Quand on sort de scène, on était devant tous ces gens pendant deux heures et demie, il y a un moment d'adaptation qui est douloureux. D'où viennent sans doute les insomnies, après. En fin de compte, un artiste, ça n'a l'air de rien. Mais c'est très seul. C'est très seul parce que, moi j'ai des crises de cafard immenses des fois parce que je me sens seul, terriblement seul. Le roi triste. Non, je parle pas de ça, je me sens... On t'appelait comme ça, le roi triste. Enfin, je me sens seul même quand je suis au milieu de 1000 personnes. Vous pouvez confirmer ça? Oui. Et c'est quoi ces gros coups de blues? Je sais pas. Ça vient peut-être de mon enfance aussi. On y revient. Oui. Est-ce qu'il est vrai que cette solitude, ce sentiment de solitude est si fort que ça va jusqu'à avoir peur, aujourd'hui encore, à 62 ans, de vous endormir seul, que le soir est un moment d'angoisse, que vous n'aimez pas la nuit qui tombe? J'ai toujours été obsédé par la mort. Et pour moi, le fait, c'est pas de mourir dans un accident de voiture, ou un accident de moto, ou dans un avion qui me fait peur, parce que c'est des choses qui arrivent comme ça, boum, et on s'en aperçoit pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est le temps. C'est le temps, c'est de vieillir, et c'est de se dire que, quoi qu'il arrive, un jour, on va y passer. Et ça, j'y arrive pas à me faire à l'idée. Bon, pour pas faire de jeu de mots, hein, mais... Et justement, on peut dire que dans votre vie, la mort n'a pas voulu de vous, mais vous l'avez voulu, vous l'avez titillé, vous l'avez cherché. Oui. Vous savez, est-ce qu'à vos 30 ans, vous n'avez pas rêvé, finalement, de mourir à la James Dean? Est-ce que vous n'avez pas eu ce fantasme-là? Au début, oui. Je disais beaucoup de conneries quand j'étais plus jeune. Je disais vivre vite et mourir jeune. Bon, aujourd'hui, je pense plus du tout pareil. Est-ce que vous êtes d'accord, en tout cas, qu'à cette époque, vous aviez une forme de fascination pour la mort, même pour les armes? Oh oui, bien sûr. Est-ce qu'il est vrai que vous êtes arrivé, en particulier avec Nanette Walkman, de jouer à la roulette russe avec réellement une balle dans le barillet? Oui.
Et heureusement, la balle n'était pas dans le bon trou. Oui, je l'ai fait, c'est vrai. Moi, je fume, je me bourre la gueule, je baise, je fais tout. Et je suis en parfaite santé, tu vois, comme ça ne veut rien dire. Maintenant, ce qu'il me faut vraiment, une fille. Il me faut une fille. Amenez-moi une fille. Il me fait rire, ce Johnny-là, parce que c'est tellement loin de moi aujourd'hui que... Comment j'ai pu dire des conneries pareilles, bon. Enfin, vous êtes d'accord pour dire que vous en avez bien profité et oui. Que... Mais oui, je suis toujours là, vous voyez. J'ai cru au diable pendant longtemps, pendant des années, mais j'y crois plus du tout. Il a fallu attendre 98 dans une interview du Monde, à votre ami Rondeau, pour que vous racontiez que ces chansons ne venaient pas de rien, venaient de la souffrance, venaient de la cocaïne aussi, que vous avez pris le matin. Quelle a été la place de la drogue dans votre création ? Rien du tout. On croit qu'on fait des choses bien sous l'influence de la drogue, et puis quand on réécoute le lendemain ce qu'on a fait, on dit « Oh là là, c'est tellement mauvais, il faut tout recommencer ». Je suis contre ça. Aujourd'hui, je suis contre ça. Ça fait perdre, surtout l'essentiel, ça fait perdre énormément de sentiments humains qu'on peut avoir par rapport à d'autres gens. Ça a l'air bizarre que ce soit moi qui le dise, mais je trouve que c'est de la merde, quoi. Tous mes amis à l'époque, plus ou moins, étaient des musiciens anglais ou américains, dont Jimi Hendrix, qui vivait chez moi, d'ailleurs, quand il venait à Paris. Mais j'ai jamais été très loin dans ces choses-là. J'ai toujours fait les choses avec eux pour essayer, mais j'ai jamais persisté sur ces choses-là, parce que c'est des choses qui me font peur. De perdre le contrôle de soi-même, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné quelque part, mais aussi qui me faisait peur. Est-ce qu'on peut chanter sur scène drogué ? Je ne l'ai jamais fait. Et qu'est-ce qui reste de ces nuits-là, de ces années-là ? Une grande gueule de bois. Rien d'autre ? Non. Aucun ami ? Non. Non, vous savez, les amis de la nuit sont pas les amis qu'on a à vie. Mais les pires gueules de bois avec Johnny ont toujours des lendemains qui chantent. Instinct de survie, sens du rebond et paradoxe du menteur. Derrière la fente de ses yeux, son bouc de tatar et son sourire d'ange fauve se cachent souvent l'espièglerie du roublard. Un de vos copains dit que vous avez un autre métier que personne n'ignore, et c'est votre vrai métier, c'est menteur. Je suis assez menteur. Oui, ça je sais, mais enfin je voulais pas en parler. Mais c'est un vice. Je ne peux pas m'en empêcher. T'adores ça, hein? Ah, j'adore ça, tu vas savoir, c'est ce que je préfère. Et pourquoi? Je sais pas, pourquoi pas. Non, mais j'aime bien, en plus j'ai un défaut aussi, je sais pas si c'est un défaut, j'aime bien en général foutre la merde, un peu aussi. T'as un côté un peu provocateur. Non, pas méchamment, toi. Mais on raconte des histoires entre deux copains, foutre la merde, après je leur dis que c'était des baratins, toi, je veux dire, mais... Bah, ah, mais t'aimes bien quand même ça. J'aime bien foutre un peu, oui, ça excite en plus, c'est un petit temps. Pas moi, Pépé, elle me regarde même pas une seconde. Laetitia, j'ai appris des trucs qui me font chier. Mais moi, avec Laetitia, mais tu. Mais genre, même si je voulais, toi, je crois. Pas mal. C'est vrai que j'aime bien foutre la merde. Vous êtes un taiseux, vous adorez observer. C'est-à-dire que je n'aime pas... Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup pour rien dire, je dois dire. Et moi, ça m'a toujours amusé du nombre de choses que des gens qui parlent beaucoup peuvent dire qu'ils sont sans intérêt. Un jour, vous avez dit, ça ne me dérange pas du tout de passer pour un con, ça me permet d'observer. Oui, bien sûr, vous savez, plus les gens pensent que vous êtes con, moins ils se méfient de vous. Vous en avez souffert une époque, ça ? Une période où les intellos ne vous aimaient pas ? Non. Intello ne veut pas dire intelligent. Non. Quand j'ai fait le film avec Godard, j'avais, soi-disant, bon, toute l'intelligentsia de gens soi-disant intello qui venaient en disant « Ah, vous êtes formidable dans le Godard !» Et tout d'un coup, mon image a changé parce que j'avais tourné avec Godard. Alors que je suis exactement pareil qu'avant d'avoir tourné le Godard. Vous paraissez très serein. Moi, je suis serein, oui. Je crois que je suis dans une phase de ma vie où je n'ai vraisemblablement jamais été aussi heureux. Grâce à qui, Laetitia ? Grâce à Laetitia, grâce à ma petite Jade,
J'ai réussi à avoir une vie de famille, ce que j'ai cherché toute ma vie. Vous savez, j'ai Jade qui grandit chez moi. Enfin, j'ai un enfant qui grandit chez moi. Et je crois que la chose la plus merveilleuse, c'était, il n'y a pas très longtemps, un soir, j'étais dans la cuisine en train de dîner avec Laetitia, et puis elle gambadait à quatre pattes dans la cuisine. Et le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle marche. De voir ce petit bout de chou que j'ai vu à quatre pattes la veille, et là, se mettre debout et faire ses premiers pas, c'était quelque chose incroyable, quoi. C'est un papa merveilleux. C'est au-delà de mes espérances. Je n'imaginais pas qu'il allait être comme ça avec elle. Il est un papa formidable. Il m'a beaucoup, beaucoup porté toutes ces années. Et il a toujours été là à mes côtés. Quelques jours après, vous le découvrez en train de donner le biberon pour la première fois de sa vie. Pourquoi les autres? J'étais étonnée qu'il ait jamais donné un biberon. Ni à David, ni à Laura. Non. Ça m'a bouleversée. J'imagine qu'il lui a fait donner une première chanson, c'est laquelle? C'est Love Me Tender. Vous étiez là? Oui. J'étais en larmes, bien sûr, et je même si je vis avec lui depuis 10 ans, ce regard de papa qu'il a sur elle, c'est merveilleux. C'est un côté très protecteur. Sa vie a complètement changé. Et maintenant que vous êtes le soir à la maison, vous lui chantez aussi des chansons, votre fille? Je suis bien obligé, ma fille adore m'entendre chanter. Makes no difference where I go or what I do. Ça doit être magnifique pour vous de vous sentir enfin père. Je me souviens que David avait dit un jour de mon père, des souvenirs de mon père, j'ai le bruit de ses bottes lorsqu'il rentre le matin. Ça vous avait bouleversé, cette phrase? Oui, parce que je m'imaginais pas qu'il avait ressenti ça comme ça. Parce que moi, j'étais très souvent en tournée, j'étais peut-être un peu jeune, à l'époque, comme père. C'est vrai que quand David est né, j'avais 23 ans. Et vous saviez pas ce que c'était qu'un père? Et je savais pas très bien ce que c'était un père, étant donné que moi, j'avais déjà pas eu de père. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Je pense que ça a été... Enfin, le fait est là que c'est que mes enfants, c'est mes enfants et je les aime.